Adamo. Finduno, ouais, Pascal. Ça profite à Christophe Lambrin. Christophe qui est. Lambrin, Finduno, c'est bien fait tout cela. Ouais, Finduno Pascal. Contre favorable aussi. Finduno qui recherchait Dimitri Payet. Interception de Matuidi devant Dia. Payet à la bagarre d'internationaux espoir hein, sur cette pelouse de ouais. Geoffroy Guichard avec Lambrin. Lambrin, Gomis, Gomis, Lambrin. Hey, et il faut aller au bout, Christophe Lambrin avec un centre là-bas au second poste. Oh, la tête juste au-dessus, un coup de sifflet. Un coup de sifflet qui va les sanctionner. Parfait. Mustapha Sall. Voilà. C'est pour Gomis. Oui, oui, c'est bien vu tout ça. Mauvais jugement de part depuis Grenier et parade. Gomis. Ouais, bah, soutien. Allez, de Dimitri. Dimitri Payet, c'est un 3 contre 4 qui se dessine. Payet, Gomis. Gomis qui va devoir temporiser un petit peu. Ouais. Gomis. Retour de Dia. Oui, bien battu, Loïc. Passé par Loïc. Bien battu, Loïc. Passé à Loïc Perrin. Loïc Perrin à la surface. Ouais, ouais, Loïc. Il fait un travail exceptionnel, Loïc Perrin. Le capitaine stéphanois qui était jusqu'au bout de son action et qui a pris le meilleur face à Dia pour aller ouvrir le score après 17 minutes de jeu. Voilà en tout cas un garçon qui fait son retour et c'est un retour gagnant, 100% gagnant face à Gennaro Brasiliano. Saint-Etienne 6-0. Sardia, Dia qui cherche à vouloir frapper, voilà qui est fait. Voilà, c'est et bon. Ça vient mourir près du poteau. Voilà. C'est parti pour Gavano. Dia, oh le poteau, oh là le là poteau là qui là vient là. Sauver les Stéphanois et Jody Viviani heureusement. Lève-toi gamin. Dia, attention, attention. Dia qui ouais, Loïc. Quel gros travail de la part de Loïc Perrin. Bien joué, bien joué. Oui. Va la chercher Dimitri. Voilà, voilà, voilà. Dia, oui. Ouais, il avait gagné son duel. Allez Pascal, tu les aimes celle-là, tu les aimes celle-là Pascal. Feinduno, Feinduno. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous dis? Et ouais! Et ouais! 2-0 avec ce 8e but de la saison inscrit. Qu'est-ce par que je vous dis? Gomis. Je savais, Pascal, il adore ça. Il adore ça, Pascal. Et de 5 buts marqués à domicile. Yes! Bafé Gomis sur ses 8 depuis le début du championnat. L'envoi de la seconde période entre Saint-Etienne et Nancy. 2-0 donc pour les Stéphanois. Perrin, Gomis, les buteurs. Un changement côté nancéen. La sortie de Sauger, la rentrée de Biancalani. Et on a senti des joueurs nancéens qui ont dû se faire bouger un petit peu avec la frappe de Pascal Payne. Oh là là, c'est à côté, un notable de seconde période exceptionnelle. Finduno. Avec Christophe. Lambrin. Lambrin contre favorable. Il était au duel et aux prises avec Curbelo. Monsieur arrive. Moulin, lui, s'est retrouvé ici face au Stéphanois avec Finduno. Ouais, Dimitri. Finduno, Payet. Oh, penalty. 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 Ouais. Croisez-toi. Plus marqué depuis le 8 décembre dernier face au Football Club de Metz, ici même. Un but exceptionnel, quasiment dans les arrêts de jeu de la rencontre. Pascal Finduno pour un penalty avec un carton jaune sorti pour Gavano par Monsieur Moulin qui est allé certainement rouspéter encore et toujours de cette décision. Pascal Finduno de retour de cette Coupe d'Afrique des Nations. 70 minutes de jeu dans cette rencontre. Et Saint-Etienne qui sera peut-être la première équipe, première formation de Ligue 1 à marquer cette saison. 3 buts à l'Est Nancy-Lorraine. Ici à Geoffroy Guichard, Pascal Finduno. Yes, ça y est, 3-0, magnifique. Pascal Finduno félicité par tout le monde. Et Saint-Etienne est donc bien la première équipe à marquer 3 buts dans ce championnat à Nancy. 71 minutes de jeu. Perrin, Gomis, Finduno, 3-0 pour les Verts. Sall, Finduno, 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 Gomis, il n'y a pas de hors-jeu. Gomis, oh il accroche-té, Gomis, Gomis encore, ouais, 4-0, voilà 4-0 pour l'association sportive de Saint-Etienne. Et Bafé Gomis qui s'offre son deuxième doublé de la saison après celui inscrit à Toulouse. Souvenez-vous. Yes. Ah ouais. Ben là, ça sent vraiment la fin pour l'AS Nancy-Lorraine dans ce duel ici à Geoffroy Guichard. Attention Hakim, allez. Chrétien, Mickaël Chrétien, le ballon piqué, la sortie de Viviani impeccable.
Chrétien avec Fortuné. Oh, super Moussa Traoré. Gros travail de Salle. Feinduno. Exceptionnel. Exceptionnel Pascal Feinduno. Avec parfait Gomis de la tête. Oh, quel arrêt. Oh, la parade magnifique de Gennaro Brasiliano. La remise en jeu de Frédéric Biancalani. Ballon écarté par Kim. Tavlaridis. Allez, il s'arrache Bafé Gomis, la frappe et Brasiliano qui repousse, Gomis. Oui, il y a eu un petit feuillet.